Salut tout le monde, on part ensemble à la soirée pass annuelle Villain News du 29 septembre à Disneyland Paris. Direct, là on y va, on va voir ce qui nous attend. Et c'est parti! Quand on est arrivé, on nous a donné directement ce petit bracelet et le petit livret avec dedans donc les spectacles qu'il y allait avoir, les restaurants ouverts, mais aussi les attractions ouvertes parce qu'il y en a certaines qui n'étaient pas ouvertes. Et on avait donc les petits livrets avec par exemple la Frontierland où on nous donnait des numéros où il allait falloir aller pour récupérer en fait des stickers pour former les personnages. Donc à Frontierland, c'était Oogie Boogie. À Adventureland, c'était Jafar. Fantasyland, Gaston. Comme vous le voyez, bon, je l'ai un peu mal collé, mais c'est pas grave. Donc, à Discoveryland, c'était Cruella, et sur Main Street, c'était Maléfique. Et on faisait cette petite quête pendant toute la soirée, et franchement, c'était super sympa, même si on a couru de partout un peu. Au début de soirée, on a fait quelques attractions, on s'est dirigé vers Discoveryland, on a pu faire Buzz, Autopia, un petit peu le bordel pour y accéder, mais ça allait, et je vous laisse direct avec des vidéos de la cérémonie d'ouverture. La soirée a pu commencer et du coup on est parti chercher nos petits stickers. On a vu plein de personnages, on a vu Mickey, mais aussi le shérif de Nottingham. Donc j'avoue, on était assez impressionnés, même si je suis désolée de la qualité vidéo tout le long, vu comme il faisait assez nuit. On s'est ensuite promené sur Main Street, où il y avait en fait des performers, je sais pas si vous les voyez très bien, qui déambulaient un peu de partout. Et franchement, c'était assez cool. Et il y en a un là, celui-là là, il m'a fait trop peur tout le long, vous allez le voir. Il revient après et genre, je sais pas, il me suivait, c'était pas possible. Mais vous allez, enfin, le truc de fou, c'est que là, donc on cherchait un sticker, ce qui se trouvait ici. Donc c'est pour ça qu'on allait ici. Mais ensuite, quand on a remonté Main Street, on était pratiquement seul à un moment donné. Il n'y avait que deux autres personnes avec nous sur Main Street, en dehors des performers, et c'était fou. Donc c'était vraiment cool et ça faisait une ambiance très cosy et très sympa. En revenant sur Main Street après avoir pris un petit cake-pop, parce que oui, c'était ouverte, on a vu Maléfique, qu'est-ce qui a été classe, j'ai pu prendre plein de photos et voilà, c'était vraiment sympa. On est allé du côté de Frontierland et je vous laisse avec cette scène. Silence. Tu réponds pas. Merci. Tu t'étais, on ne veut pas de toi ici. On ne veut pas de vous ici. Ils sont nombreux ce soir. Merci.
On a ensuite croisé Louis, mais qu'est-ce que j'étais contente, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse de voir Louis sur le Molly Brown. Il était pas tout seul, effectivement, puisque vous voyez, il y avait Naveen aussi, et j'ai eu une interaction avec lui juste super. Il y avait aussi Docteur Facilier, et je vous laisse l'interaction avec Naveen. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, et toi? Il y a pas Tiana? Devant la Casa des Cocos, il y avait des mariachi et il y avait aussi une genre de zombie zone. On a pu ensuite aller voir à l'Agrabah Café Jafar et on a aussi croisé Aladdin. Et en fait, il y avait un souk à l'intérieur. Ça va, tu te poses bien? Il y trop bien, c'était rigolo. Bonsoir. On est très bon prix. Ça va, vous? Ah, ils sont très beaux. Oh, merci. Bonsoir. On a continué notre chasse en croisant Monsieur Mouche et on est ensuite allé voir Gaston. Après avoir vu Gaston, on voulait aller à Discoveryland et on a croisé Hadès. Franchement, on a bien aimé, même si on n'a pas pu l'approcher et que on a trouvé que le costume faisait peut-être un peu trop rigide. Ça aurait pu être mieux fait, mais c'est cool quand même de le voir et on aimerait qu'il soit plus souvent sorti. On est ensuite allé où il y a le filard magique et il y avait donc la danse macabre, mais il y avait aussi des petites personnes qui participaient. Je vous laisse avec le show sur Cast Up Stage et il y avait un DJ toute la soirée, ça c'était cool. Regardez les deux shows d'affilée, on a un petit peu couru entre les deux parce qu'on voulait manger en fait en même temps qu'on regardait le show de Cruella. Alors le show sur Castle Stage,
J'aurais aimé voir les méchants venir chanter les chansons, voir Docteur Facilier, mais il était quand même cool, et notamment pour les danseurs, bravo. Et le show de Cruella, je l'ai adoré. Je vous laisse maintenant avec la cérémonie de fermeture. Vous avez trouvé vos vrais invités, hein, parole de pirate, mais elles ont dû se perdre en chemin. Oui, c'est vrai, elles ont le même sens de l'orientation que mon Jimmy, c'est pas de leur faute, vous savez. Silence! Ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais si Fauna, Flora et Pimpernelle... Oh oui! Oh, d'ailleurs, regardez là-bas! Ils sont là! Elles sont mes amis! Mika et Mini, Bonham et Daisy! Cette super soirée avec le show de fermeture et les vilains qui nous disaient au revoir. Pour nous, on a adoré la soirée, on l'a vraiment trouvé cool. C'était notre première soirée passe annuelle et sûrement pas notre dernière si on peut en faire d'autres. Franchement, on a adoré, on vous le recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.